Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Philippe Gueluc, Annie Lemoine, Isabelle Alonso, Maman, Valérie Mérès et Stevie Boulet. Quelle ambiance! Vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? J'ai dit qu'il y a l'équipe. Oui. Ah, vous trouvez que c'est une bonne équipe? Ah ouais? Ah oui. Comparativement à d'autres fois où... Non, non, je trouve que c'est une équipe formidable. Je trouve le public particulièrement sympathique aujourd'hui. Ah oui. Voilà, démarre. Oh, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait exprès. Je disais ça. Oui, madame. En tout cas, c'est, il est plus sympa que le public du Zénith, hein, au débat du Parti Socialiste. Ah, faut voir, peut-être que le public va siffler de temps en temps. Tu n'en sais encore rien, oui. Isabelle Alonso, Annie Lemoine ou Valérie Mérès. Peut-être, parce que moi j'ai mis la veste de Ségolène Royal, alors tout est possible. Ah ouais, moi je dirais rien pareil. C'est sa marque. C'est parce qu'elle, elle porte ça que vous portez la non, même chose. Non, vous savez comment ça marche, on a un styliste ici qui nous fait un shopping et quand il m'a proposé la veste, que je lui ai dit, tiens, la veste de Ségolène Royal. Ah bon, il y a c'est un styliste. Pas la sienne. Je savais pas, on me l'a caché, moi. Ah, ça, c'est vrai. Ça se voit. Isabelle. Et moi aussi, je suis très contente aujourd'hui parce que figurez-vous que demain, je pars à Brive-la-Gaillarde. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons. Hommage à Brassens, c'était à continuer la chanson tant que vous y êtes. À pied, à cheval, en voiture, des gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Allez, je crois qu'il est temps définitivement de passer à la photo du jour. Cette photo, c'est celle publiée par Le Parisien des chrysanthèmes, qui là sont les fleurs de la semaine. Nous avons fêté nos défunts cette semaine à l'occasion de la Toussaint. Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal, François Hollande et Jacques Lang en ont donc profité pour aller déposer une couronne sur le pas de la porte de Lionel Jospin. Vous vous rendez compte? Un marché incroyable. 24 millions de pots de chrysanthèmes sont vendus à 12 euros chacun à près de 9 millions de Français. Et dire que les communistes continuent à s'emmerder avec leurs brins de muguet, ils ont vraiment choisi la mauvaise fleur. Les chrysanthèmes sont pour certains appelés aussi les grosses têtes. J'ai lu ça dans l'article. Oui, comme... Je ne suis pas à l'association d'idées avec Philippe Bouvard, franchement. Non. Bah, écoutez, il paraît, c'est pas gentil. Il paraît que c'est un peu moins à la mode cette année, mais ça nous permet en tout cas d'avoir une pensée pour Jean-Yann, Philippe Castelli, Jacques Sardou, Alissa Pritch et Léon Zitrone. Voilà. Et alors, vous savez d'où ça vient, les chrysanthèmes? Ça vient de Corée. C'est... Oui, exactement. Non. C'est pas vrai. Dites-nous oui. En plus. C'est bien que moi, j'en ai posé un devant mon congélateur en hommage aux époux. Quoi? Il vaut mieux le poser devant que dedans. Merci, Jean-Marie. L'autre fête qu'on a célébrée cette semaine, c'est Halloween, la fête des vampires, des monstres, des sorcières, des morts-vivants. En général, les enfants se déguisent pour jouer à se faire peur et il paraît que le costume le plus à la mode cette année, c'était le maillot de l'Olympique de Marseille de Franck Ribéry. Halloween, c'est le nom américain. Évidemment, chez nous, en France, on appelle ça la Saint-Yvette Ornaire. Et au moment d'Halloween, aux États-Unis, les jeunes, vous savez, mettent des bougies dans des citrouilles. En France, c'est un peu différent. Les jeunes mettent des bougies dans les autobus et c'est beaucoup moins rigolo. Mais le résultat elle-même, c'est qu'après minuit, les carrosses qui étaient les autobus se transforment en citrouilles comme dans Cendrillon. Vous avez fêté Halloween, vous, Stevie? Non, mais de toute façon, ça, c'est américain. Il faut fêter le Mardi Gras. C'est français, ça. Le Mardi Gras, en plein mois d'octobre? Mais non, au mois de février. Mais non. Allez, on passe des citrouilles aux champignons. Bah, ça va vous intéresser, Stevie, puisque je sais que vous faites la cueillette régulièrement des champignons. Alors là, attention, c'est la pleine saison, mais le journal Le Parisien nous met en garde. Cueillez, mais avec précaution. 10 personnes ont en effet été victimes de graves intoxications dans l'ouest de la France. Ils auraient mangé une espèce très dangereuse qu'on appelle communément les huîtres d'Arcachon. L'une des victimes a même dû subir une greffe du foie. Elle a quand même pas de bol, la greffée du visage. Elle commençait à peine à arriver à mâcher et paf, elle tombe sur un mauvais champignon. Franchement. Et le champignon le plus dangereux, c'est celui-ci, Stevie le connaît certainement, c'est l'amanite phalloïde. Et quand on le voit, c'est vrai qu'il a une drôle de forme. Hein. En fait, tu le mets dans ta bouche et au bout d'un moment, il y a un liquide blanc qui sort et qui t'étouffe.
C'est ça, bravo, non Laurent. Non, mais les champignons, ouais, il faut être extrêmement prudent, ne pas aller cueillir des champignons si on... Non, mais si c'est on... un spécialiste hein, qui non, parle. Non, si on ne s'y connaît pas, ne pas s'y aventurer, ça peut être extrêmement dangereux. Ne pas couper ou ne pas toucher aussi. Il ne faut pas toucher tous les champignons, ça se regarde, ça ne se touche pas. Moi, pour ma part, je prends que les cèpes et les girolles parce que je suis sûr de mon coup. Depuis que je suis gamin, j'en prends, il ne m'est jamais rien arrivé. Et vous avez vos coins à champignons? Oui. Où est-ce que vous... Alors, c'est... Moi, je vais... Alors, c'est entre les orteils. Non, 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 c'est... Sur 4000 espèces, on voit qu'il y en a 15 qui sont mortelles. Donc, si vous tombez sur l'une d'entre elles, jouez au loto tout de suite, c'est que vraiment, vous avez de la veine. Et on termine avec la voile, puisque dimanche à Saint-Malo, dimanche dernier, peut-être vous avez vu le départ, a été donné le départ de cette course prestigieuse, la fameuse route du Rhum. Alors, faut savoir, c'est pas facile à suivre, parce qu'il y a la course des multicoques, il y a celle des monocoques. Dans la course de coques, tout court, c'est Katmos qui a gagné, hein, je peux déjà vous le dire. Avec tes marins, Lemoine. Ah oui, tout à fait. J'adore le bateau. J'en ai fait beaucoup. J'ai mon diplôme. Je suis monitrice de voile. J'adore ça. Attendez, vous avez votre diplôme? Oui. Mais vous nous avez toujours caché ça. Mais je crois que vous avez caché tous mes diplômes, en fait, pour venir ici. Et vous, maman? Moi, j'ai mon cousin qui participe à cette course-là, mais on n'en a pas parlé. Lui, il est parti de Dakar en pirogue. sans escale, sans assistance et sans papier. Accueillons maintenant François-Xavier Demaison, un humoriste qui monte et que vous pouvez voir tous les soirs à la Gaîté Montparnasse actuellement dans Deux Maisons s'envolent. Un one-man show mis en scène par Éric Théobald et produit par le comédien Samuel Le Bihan qui lui fait confiance depuis ses débuts. L'histoire de ce spectacle, c'est un peu la sienne à François-Xavier Demaison puisqu'il raconte la reconversion d'un roi de la finance qui, après l'attentat du 11 septembre 2001, décide de tout plaquer pour venir s'essayer à la scène sur les planches à Paris. Et oui, avant d'être humoriste, François-Xavier Demaison était fiscaliste, un milieu où on rigole un peu moins, enfin ça dépend qui, et parfois de temps en temps quand même. Pour parler ensemble de ce spectacle Deux Maisons s'envolent, accueillons tout de suite donc François-Xavier Demaison. Ah oui, alors là, il y a un changement. Là. Ah oui, oui. Alors... Vous n'avez pas vu depuis un moment, je me souviens vous avoir reçu pour votre, quasiment votre premier spectacle ici, vous étiez encore en costume, vous n'aviez pas abandonné. Voilà, j'étais tout gris, tout austère, ah, j'étais oui, là avec un dossier, un vieux dossier. Ah, ouais, j'étais encore le costard du fiscaliste. Voilà, et là je suis plus, détendu. Voilà, l'artiste est né. Voilà. Est-ce que c'est toujours le même spectacle, est-ce qu'il a évolué? Il a évolué parce qu'au contact du public, de la scène, des centaines de représentations, forcément j'ai trouvé des choses, il y en a d'autres que j'ai enlevées, et aujourd'hui c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à jouer ce spectacle. Voilà, tous les soirs, et c'est vrai que c'est une belle aventure quand même. Avant d'en parler tous ensemble, pourquoi vous vous marrez? Je ris parce que la différence est frappante. Il y a 2 ans, je crois, qu'il était venu ici, et c'est vrai qu'il était comme ça à côté de Le Bihan. Comment? J'étais timide. Oui, timide, mais il était là. Oui, écoutez, je vais essayer de faire un truc. Un peu comme Annie Lemoine quand elle est arrivée de Canal+. Exactement. Et là, on dirait Sylvester Stallone dans Rocky. Il arrive et c'est devenu une star. Oui, j'ai la cheville, j'ai pas la mâchoire. On peut travailler. On va parler évidemment de Deux Maisons qui s'envolent à la Gaîté Montparnasse. Mais d'abord, regardons un extrait de ce spectacle, justement. Attends, c'est ma femme, c'est Marie-Charlotte. Oui, Malotte. Qu'est-ce que tu veux encore? Bah oui, tu me déranges. Tu t'en vas? Ah ben, va-t'en. T'as qu'à me tuer pendant que tu y es. Hein? Quoi, tu y es? Hein? Tu reprends ta liberté? Mais tu sais rien faire, ma pauvre fille. Je te rappelle que faire des chèques, c'est pas un métier, hein? Oui, c'est ça, et tout ce que j'ai dépensé pour toi, tu me le rembourses quand? Quand les poules auront des aftes? Bon, écoute-moi bien, là, j'ai rien entendu. Tu vas te faire bronzer, coiffer, épiler, tu mets ta belle robe ce soir en dîne chez les Fauvards. T'as pas bien entendu, alors je vais te traduire, hein. Tu t'arranges la choucroute, tu te repeins la façade, tu t'arraches les poils, et puis tu mets le bout de chiffon italien qui m'a coûté le prix d'un rein. Ah oui. Un personnage de composition. Il est délicieux, il est adorable ce type-là, très, très gentil avec sa femme. C'est un personnage de composition, oui, c'est-à-dire que ce spectacle, en fait, je raconte une histoire, donc cette reconversion... Oui, c'est pas tout à fait vous, quand non, même. Non.
C'est ce que j'ai, c'est la caricature du type odieux comme ça, qui, avec son gros 4x4, qui est très très misogyne, qui traite sa femme vraiment comme de la merde. Et effectivement, il me dit, t'es intermittent, alors maintenant, un coup tu cherches du travail, un coup t'en trouves pas. Enfin, c'est tout ce que j'ai pu entendre d'un peu désagréable quand je me suis lancé dans ce métier. Et donc, il le catalyse. Mais c'est vrai que si on ne voit que ça, on se dit, mais il est odieux ce type. Annie Le Moine a aimé ça en tout cas. Oui, vous fonctionnez beaucoup sur l'observation du milieu social que vous avez bien connu, hein, le vôtre, quand vous étiez à New York, fiscaliste. Et moi, ça m'a fait marrer de découvrir au travers vous, en fait, ce que pouvait être un boss américain, un patron. Parce que vous faites bien sentir ça dans le spectacle. Et je me demandais même si vous racontiez vraiment les dialogues que vous avez avec votre patron quand vous êtes parti, quand il vous reproche de ne plus être performant, ou si vous avez écrit et composé une histoire. Parce que c'est vraiment, c'est du vécu. Ah ben, ce genre de personnage, je n'ai pas eu à forcer énormément le trait. Hein. C'est-à-dire que c'est le genre de type de gros américain avec un gros ventre, comme ça, là, on ne peut pas vraiment le voir, mais... C'est un type comme ça, qui a son bide en avant, comme ça, qui se balade dans les bureaux, qui est très, très unilatéraliste. C'est-à-dire, il veut dire, c'est pas qu'on ne peut pas partager la richesse, c'est qu'on ne veut pas. François, là, tu as fait beaucoup les conneries, et là, vraiment, tu dépasses les burnes. Voilà. Et donc, il me fait comprendre qu'il faut que je rentre en France. Vous pouvez jouer en anglais, par exemple, ce spectacle, alors enfin, bah, j'en ai très envie. Il y a des petites parties comme cette bande-annonce, à un moment donné, ça se passe comme ça. Beaucoup d'anglais. American Picture Proudly presents the true story of a man who wanted to live a new life. Comme ça, il y a une ambiance un peu d'anglais. J'essaye pas trop de pas trop faire d'anglais, parce qu'il faut quand même que tout le monde comprenne. Si au bout d'un moment... Non, mais je pensais aller jouer à Broadway, bah, j'adorerais, ce serait un rêve. Mais vous pourriez le faire. Faudrait que je traduise, faudrait adapter un peu. Oui, faudrait quand même beaucoup de travail, mais ça pourrait être un bel aboutissement en tout cas. Gueluc. Alors moi, j'avais vu De Maison au début, hein, quand vous étiez venu. J'ai adoré son spectacle, j'ai adoré le personnage. Il m'a fait pleurer de rire, je trouvais ça un bijou, de l'orfèvrerie, tellement c'était bien réglé, tellement c'était drôle. Et puis quand on nous a dit, voilà, il faut aller voir le spectacle de Maison, j'ai dit, mais je l'ai vu, ah très bien alors. Et puis on me dit que ça a beaucoup changé et qu'il y a des nouveaux sketchs, etc. Donc je vais retourner le voir. Et puis je me dis qu'en 2 ans, il a dû... Je sais pas comment il va faire, parce que je trouvais ça déjà tellement parfait que s'il a encore progresser, ça risque de devenir trop bien. Ben Stevie est allé. Alors, vous avez vu la dernière version, comme Annie. Hein. J'y suis allé le week-end dernier, j'ai passé un moment divin. J'ai rigolé. Mais ce qu'il faut dire, je pense que le vrai succès, c'est votre bouille. Vous faites des tronches sur scène, mais c'est... Il a des expressions, des mimiques, des trucs, mais franchement, c'est un moment incroyable. Par exemple, un personnage qui vous a plus fait rire que la petite vieille avec son châle sur la tête, pareil. Et à un moment, on a même l'impression que vous êtes maquillé tellement vous arrivez à faire des expressions avec le jeu de lumière, etc. C'est incroyable. Franchement, ce mec-là, il me sidère, quoi. C'est vraiment... Exactement, c'est parfait, c'est bien réglé, c'est drôle, on rigole. C'est incroyable. Direction la Gaîté Montparnasse, alors. Faut y aller. Moi, j'ai pas eu la chance de voir votre spectacle, mais dans votre biographie, il y a quelque chose qui m'a fait rire. C'est, on dit, vous êtes né d'une mère avocate d'origine corse et d'un père avocat d'origine modeste. C'est où la modestie, hein? Vas-y, dis-le, ton père est arabe, hein, c'est ça. Isabelle Alonso. Moi, je me sens très proche de vous parce que j'ai une histoire qui n'a rien à voir, mais quand même un peu parallèle. Moi aussi, je viens du conseil financier. J'ai changé de vie et je fais quelque chose qui me plaît mieux maintenant. Donc, je comprends bien votre trip. Et ce que je voudrais dire aux gens qui regardent les images là, à la télévision, je trouve que ça donne une idée de 10% de ce que vous êtes quand on vous voit sur scène. Ça limite énormément ce que vous donnez sur scène. Parce que certes, vous faites des grimaces avec votre visage et c'est déjà très spectaculaire, en particulier quand vous faites la marmotte. Mais vous faites... Ou le castor, moi vous savez, la campagne. Mais vous faites... Mais vous faites aussi des grimaces avec votre corps. Je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi plastique physiquement. À un moment, vous avez l'air d'un petit gros, et 2 minutes après, vous avez l'air d'un boxeur super... non, mais super musclé et tout. C'est extraordinaire, c'est formidable. Non, mais c'est vrai que c'est le drame de quand on montre des images du spectacle, c'est que les gens disent, oui, bon, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'on les montre, nous. Valérie Mérès. Et moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est quand vient votre producteur voir le spectacle. Comme ça, je viendrai le même soir. Il vient souvent le vendredi soir, comme ça, après, on peut aller dîner ensemble. Non, il a plus à cheveux son caillou, Samuel Le Billon. Il s'est rasé, oui, pour un film, mais je vais vous arranger un coup. vous allez en faire du cinéma, en tout cas. Dans l'Auberge Rouge, c'est tourné déjà? On est en train de le tourner. Je tourne la journée, je joue le soir. C'est un remake du film avec Fernandel? Exactement, avec Josiane Balasco, Christian Clavier et Gérard Jugnot. C'est qui joue le rôle de Fernandel? Alors, c'est Gérard Jugnot.
Celui qui joue le rôle de Carette, c'est Clavier. Et Balasco, c'est la vieille aubergiste Françoise Rosé. Et vous alors? Et moi, je suis Simon Barbeuf d'Antelier à Cancale. C'est une espèce de personnage ambigu, comme ça. Enfin bon, ça, voilà. Faut aller le voir. Et ce sera pour septembre? Oh oui, je pense la rentrée prochaine. On a le temps d'en reparler alors au cinéma, voilà. L'Auberge Rouge. Pour l'instant, ce qui compte, c'est la Gaîté Montparnasse pour aller applaudir. Deux maisons s'envolent. Quelqu'un qui a besoin d'applaudissements aussi, parce que autrement, il rate tout, il foire tout, c'est Jérôme Bonaldi. Il y a des tas d'émissions de télévision où on met des caméras dans les coulisses. Alors, comme il n'y a pas les moyens d'avoir une caméra, je me suis payé, moi, une caméra. C'était le CILMO la semaine dernière, vous savez. Le quoi? Le CILMO, le salon de la lunetterie. Ah, un métier d'avenir. Il y a de plus en plus de vieux, on est tous appelés à devenir vieux, donc on est de plus en plus appelés à avoir des lunettes. Mais il n'y a pas que les vieux, il y a aussi les jeunes qui font du surf et qui ont besoin de montrer à leurs copains les figures qu'ils font. Du coup, voilà une paire de lunettes de ski, de surf, avec la petite caméra intégrée. Il suffit de se balader avec... Tu me vois là? Voilà. Il suffit de se balader. On voit les choses qu'on ne voit jamais. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Autre chose. Alors, je vous montre autre chose. L'aspirateur. L'aspirateur. Voilà un aspirateur pas tout à fait comme les autres. C'est un aspirateur. D'abord, il est d'une très belle couleur rose. Il est vendu avec un petit nounours. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand on a cet aspirateur, on peut mettre les enfants sur le tapis sans aucune crainte. Sans aucune crainte, because il aspire mieux que quiconque. Vous allez voir. Je le mets en marche. Voilà. Regardez ici. Vous voyez la petite lumière verte? Ça veut dire qu'il n'y a pas de poussière. Mais dès que je commence... Alors, on va mettre de la poussière, regardez. Mais il est où le nounours? Le petit poussière, voilà. Et dès qu'il y a de la poussière, hop, ça passe rouge. Vous avez vu? C'est rouge, c'est rouge. Il n'y a pas de poussière encore, il faut que j'aspire. Je passe l'aspirateur, il n'y a plus de poussière du tout, il n'y a plus de poussière du tout, hop, ça redevient vert. C'est pour pas aspirer des tapis propres, c'est ça? C'est nul. Mais c'est pour être sûr qu'il n'y a pas un seul brin de poussière. Mais t'as des yeux pour voir quand même. Non, parce qu'il y a la poussière, elle est microscopique. Tu peux pas mettre des lunettes à la con quand il aspire. Non. Mais non. Là, attendez, regarde, je vais bien la mettre là comme ça. Là, on ne voit pas qu'il y a de la poussière. Là, on la voit pas. C'est les boutières microscopiques, c'est des ça. Ben attendez, je l'enlève, voilà, regardez. Je mets en marche, hop. Mais il est où, voilà, le nounours? Il est dans la... Je l'ai laissé dans la caisse. Je mets en marche le truc. Vas-y, mon gars. Et je vois pas le rapport avec les enfants sur le tapis qu'on peut passer. Si, parce que... Parce qu'avec les autres aspirateurs, tu crois qu'on aspire les enfants, peut-être? Mais non, regardez, hop. Voilà. Il y a plein de... Là, je crois qu'il y en a plus. Eh ben, il y en a encore. Il y en avait encore. Et moi, je mets pas mes enfants avec des acariens invisibles, des poussières microscopiques. Ah, parce que ça aspire les acariens. Ça aspire tout. C'est pour ça que c'est vendu avec un nounours. Et ce truc-là, c'est... Messieurs, Jérôme Bonaldi, viens nous... Attendez, Bonaldi. Jérôme, excusez-moi, parce qu'il faut donner des précisions pour vos trucs. Parce que mes enfants ont 20 ans. Ils ne rampent pas non plus dans la poussière par terre. Non, non mais même si vous voulez être sûr que ce soit bien propre, le petit voyant vert qui vous rassure, il n'y a pas un seul brin de poussière, c'est quand même bien. Bonaldi, vous êtes quand même le premier type qui vient nous présenter un aspirateur dont l'unique particularité, c'est qu'il aspire les poussières. C'était une occasion formidable de rendre hommage à la science fondamentale, à la recherche spatiale. Because, voilà comment ça se passe. Ici, il y a un détecteur de poussière. C'est le genre d'engin hyper sophistiqué inventé par l'énergie, par la NASA, exactement. Ça valait des millions de dollars il y a quelques années. On les envoyait dans l'espace. C'est un compteur de poussière. Pour savoir si dans l'espace, il y avait de la poussière cosmique, on envoyait un petit outil comme ça. Ça coûtait très très cher. La descente de prix a permis à monsieur, le fabricant de l'aspirateur, de mettre ça à pas cher du tout. Ça marche avec deux petites piles. Ici, il y a un compteur de poussière. Il y a ton nounours qui vient d'arriver à ton pied. Il vient te dire qu'il est temps de partir. Ah ben voilà. Ça, c'est une bonne raison pour acheter l'aspirateur. Voilà. Mais j'en vois pas d'autres. Merci, Jérôme Bonaldi. Vous êtes jusqu'à la fin de l'année à la Gaîté Montparnasse. Voilà, jusqu'à fin décembre et après je pars en tournée. À 21h30 et à partir effectivement... Dans toute la France. On dit toujours 30 et des poussières, hein, ça voilà. Commence parfois. À partir de janvier, vous partez en tournée à travers toute la France. On dit toujours en tournée dans toute la France, ouais, alors oui, voilà. Dans toute la France. On dit même dans toute la francophonie. Oui, bien sûr, l'outre-mer. François-Xavier Demaison, F.
FXD, on vous appelle comme ça ? J'aimerais bien. FXD. Je trouve ça sympa, oui. FXD s'envole à la Gaîté Montparnasse, actuellement. Après, chez vous, peut-être dans les régions, à partir du mois de janvier. Merci à vous. Pas chez vous, chez vous. Je sais pas chez vous. Avec le théâtre. Merci beaucoup. La récente adoption d'un enfant du Malawi, un enfant de 13 mois, par Madonna, a suscité, vous le savez, la polémique. Tout le monde en a parlé. En effet, après avoir passé 9 jours au Malawi et financé à hauteur de 5 millions de dollars des projets de développement dans ce pays, la chanteuse Madonna a obtenu un jugement favorable pour l'adoption de ce bébé, alors même que, selon les lois en vigueur là-bas, l'adoptant doit normalement passer 18 mois sur place avant de pouvoir emmener un enfant. Deuxième rebondissement dans cette affaire, le père du petit David qui voudrait récupérer son enfant, selon certaines sources, selon d'autres, finalement, il serait content de voir le bébé partir avec Madonna, on ne sait plus trop qui croire. En tout cas, voilà, ça crée un vrai débat, cette affaire-là. Alors, pour en parler tous ensemble, nous allons accueillir une psychiatre spécialiste en matière d'adoption internationale, Fanny Cohen-Herlem. Bien docteur, parce que vous êtes vraiment médecin, pédopsychiatre. Absolument, oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, dans un premier temps, je dirais, sans lire tous les commentaires, tous les rebondissements et tout ça, votre premier réflexe, c'est quoi ? Alors, je me dis que l'adoption d'un enfant, c'est une très belle chose, c'est une très belle aventure, c'est une aventure singulière, qui n'est pas simple du tout, hein, qui met en jeu, effectivement, l'avenir d'un enfant, l'avenir des parents, l'avenir d'une famille. Ça, c'est le premier point. Après, il y a la façon dont les choses se sont déroulées. Et je dirais que si tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, tout ce que les médias ont rapporté, les choses se sont vraiment passées comme ça, est-ce que j'oserais dire que c'est exactement le style de choses qui ne devrait pas se passer ? Ah. En tout cas, ce n'est pas la façon dont les choses devraient se produire. Qu'est-ce qui vous dérange en premier, on va dire ? Eh bien, que pour qu'un enfant soit adopté, il faut d'abord qu'il soit abandonné, et ce, légalement. C'est-à-dire qu'il y ait eu un jugement dans son pays de naissance, comme quoi les parents de naissance l'ont abandonné, que ça soit signé et que cet enfant soit adoptable, c'est-à-dire que les parents sachent qu'une fois qu'ils ont signé l'abandon, l'enfant peut être adopté et par ailleurs partir à l'étranger. Et là, vous pensez que ce n'est pas le cas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas puisque le père demande à récupérer son enfant. Donc j'en sais rien, à vrai dire. Ça, c'est le premier point que je trouve délicat. Et puis le deuxième point, c'est... comment dire, la rapidité avec laquelle les choses se sont passées. Donc, les lois du Malawi disent 18 mois. Madonna a eu 8 18 jours. 18 mois, c'est beaucoup. Il faut quand même savoir que dans certains pays, on peut aller sur place. On reste un peu, effectivement, avec l'enfant et dans le pays, mais c'est quand même pas 18 mois. 18 non, mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est la loi. C'est un parcours du combattant, de toute façon, l'adoption dans un pays étranger. On peut aussi comprendre que Madonna se dise, après tout, si je peux échapper à tout ça, pourquoi pas ? Alors, on peut... La question, c'est de savoir ce qu'on veut, effectivement, et de comment on veut le faire. Parce que l'adoption internationale, s'il y a des règles et des lois, c'est bien parce qu'il y a eu quand même pas mal de trafic d'enfants. Alors, je ne dis pas que là, c'est un trafic, hein, on est bien d'accord. Il n'est pas du tout question de dire ça. Mais que les lois, elles sont faites pour protéger. Elles sont faites pour protéger qui ? Elles sont faites pour protéger les enfants, d'une part, les parents de naissance et les parents adoptants. Et si on ne respecte pas les lois, alors on peut se demander ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte finalement à n'importe quel trafic. Ça veut dire que si on a de l'argent, si on a un passe-droit, si on connaît quelqu'un, alors on peut chercher un enfant pour se faire plaisir. Alors moi, je voudrais juste rappeler ce qu'on dit partout, hein, ce qu'on a tous lu, c'est ce ne sont pas les adultes ou les parents qui ont droit à un enfant, ce sont les enfants qui ont droit à avoir des parents. Ali, le moine. Alors si j'étais Madonna... Je crois que j'aurais cherché... Te marre pas. Tu serais ma copine. Je crois que j'aurais cherché, me semble-t-il, à adopter un enfant, j'allais dire libre de droit, non mais un enfant qui n'a plus de parents. Oui. Parce que, voilà, je me serais sentie plus tranquille avec ma conscience. Oui. Cet enfant a encore un père. Le père n'avait pas les moyens de l'élever, la mère est morte au bout de 5 semaines, après la naissance, donc il avait déposé son enfant à l'orphelinat. Mais le père existe encore, donc elle va le couper du lien avec le père d'une façon ou d'une autre. Et voilà, ça, je trouve ça un petit peu gênant. Et la seule question que je me suis posée, c'est est-ce que cet enfant va être
heureux avec elle, plus heureux que s'il était resté dans son pays. Qui peut le dire? J'en sais rien. Je ne suis pas choquée par l'adoption de Madonna, mais il y a beaucoup de questions. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de questions, effectivement. Excusez-moi, mais je crois que la question, c'est de savoir... On ne sait jamais ce qui va se passer dans l'immédiat. Je pense que c'est... Il va arriver chez des gens qui vont prendre soin de lui. En tout cas, on peut l'espérer, on peut l'imaginer. Il n'y a pas de raison de ne pas l'imaginer. La question, c'est de savoir comment il va entendre ça et comprendre ça après. C'est-à-dire comment cet enfant grandissant va pouvoir comprendre qu'on soit venu le chercher alors que son père ne savait pas très bien s'il voulait l'abandonner ou pas, et comment il va comprendre que... Alors, je ne sais pas très bien quelles ont été les transactions, mais on dit qu'il y a eu effectivement des dons à des organismes humanitaires, ce qui est une très bonne chose, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un échange? Je ne sais pas. En tout cas, pour un enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre. Deux autres choses qui vous chagrinent, même si le mot n'est pas tout à fait... Correct. Deux choses qui vous enquiquinent, on va dire, c'est A, le choix sur photo. Vous dites, elle aurait choisi l'enfant sur photo. Ah oui, non, ça, mais ça c'est pas. Une horreur. Non, mais on choisit une voiture sur photo, et encore, on va dans le magasin. On choisit sur catalogue de la Redoute. Ou un homme, bah oui, chez Mythique, tout ça. Hein, oui, ça par exemple, mais au moins, on est adulte, on sait ce qu'on fait quand on se met sur une photo et qu'on accepte d'être choisi sur photo. Quand on est un enfant, on ne fait pas son marché. En même temps, moi, je me dis, pour répondre à ce que disait Annie, c'est plutôt pas mal pour cet enfant parce qu'il va avoir une double culture. Il va aller dans un collège avec nurse anglaise, etc., très chic, etc. Puis en vacances, il pourra peut-être aller retourner au Malawi voir son papa. Ça lui fera deux cultures. Alors, est-ce que ça va être son papa? Est-ce qu'il va avoir le droit de le voir? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que ça va représenter pour lui? Qu'est-ce que ça va signifier pour lui que d'avoir... alors, le mari de Madonna, je ne sais plus comment il s'appelle, Guerici, comme papa de substitution, et puis un vrai papa de l'autre côté? Comment un enfant, il peut se construire perturbé. Avec ça? Il va arriver dans c'est son pays, la foule hein. va l'acclamer, il va lancer sa couche-culotte dans le public. ça va être terrible. Mais musicalement, il aurait plus mal tombé. Imaginez qu'il tombe chez Céline Dion ou Mireille Mathieu. Ça aurait été pire. Non, moi on a un peu l'impression qu'elle a été faire son marché et qu'il y a eu une tractation financière. Mmh. Évidemment, le don qu'elle fait aux orphelinats et qui est magnifique, c'est un petit peu aussi une manière de blanchiment d'opération. Et on peut se poser au-delà de cette problématique la question de tous les people, de tous les gens connus qui adoptent. Et certains qui sont plus proches de nous ont obtenu une petite accélération du dossier par Madame Chirac auprès de... Non, quand Jade Hallyday s'est fait adopter par Johnny et sa femme, il y a aussi un petit mot de la première dame de France qui a un petit peu accéléré le dossier. C'est un petit peu gênant pour le commun des mortels, pour les gens qui font ce parcours du combattant avec rigueur, avec honnêteté et qui essayent d'adopter un enfant. Voilà. Et le fait que Madonna ait offert ou dépensé 31 000 dollars de jouets pour son fils Alors, écoutez, je trouve que c'est une horreur parce que moi, j'ai vu des. Donc, je reçois des enfants, des parents, des futurs parents. Donc, on a comme ça une idée un petit peu de ce qui peut se passer. Les enfants, plus tard, ils disent il y a des gens qui sont arrivés. Enfin, mes parents sont arrivés avec des montagnes de jouets. Je ne savais même pas à quoi ça servait. C'est-à-dire 31 000 dollars de jouets, mais elle n'est pas allée le chercher à l'aéroport. Elle n'avait pas le temps ce jour-là. Ben oui, que voulez-vous, elle a dû aller faire ses courses. Ça fait un contraste un peu saisissant. Non, ça, on ne peut pas rentrer dans le jeu des médias. Elle n'avait pas le temps ce jour-là, certainement pas. Tu sais comment ça marche, il y avait tous les photographes là-bas. Ouais. Elle n'a pas voulu y aller pour être jetée en pâture avec ce petit garçon. Oui, ce qui est plutôt une bonne chose, effectivement. Maman. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de mauvaise conscience mal placée. De l'Occident par rapport à un petit enfant noir qui serait acheté par une blanche, par rapport donc à l'esclavage. Je trouve que c'est mal placé comme mauvaise conscience. Parce que je me mets à la place du petit. Le Malawi, c'est quoi? 39 ans d'espérance de vie. C'est 121 dollars de revenus par an d'habitants. Alors, il y a deux facteurs. Si le petit est d'accord, il va avoir une vie meilleure que celle qu'il aurait pu avoir en restant au Malawi. Au départ, j'ai lu que le papa était d'accord. Il a signé des papiers. Maintenant, reste à savoir si il a vraiment signé les papiers en sachant ce qu'il signait, puisqu'il c'est paraît bon. Qu'il est analphabète. Si ces hypothèques sont levées, moi, je trouve que c'est un enfant qui va avoir une vie, une belle vie, et qu'il va rentrer chez lui, pouvoir voir son père, et puis vivre vraiment une vie qu'il n'aurait pas pu avoir s'il avait continué à vivre dans l'orphelinat. Je trouve que c'est trop de bruit pour rien.
Qu'on parle du Darfour, ça serait peut-être plus intéressant. Non, mais c'est pas une adoption dans ces cas-là, parce que vous parlez de son père, vous avez raison. Effectivement, il a un père de naissance, donc on se demande chez qui il est. Mais il était à l'orphelinat. Oui, mais son père l'avait placé, d'après ce que j'ai lu, parce qu'effectivement, il n'arrivait pas à subvenir à ses besoins. Moi, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'il y a effectivement plein d'enfants qui sont malheureux dans le monde. Hein? Alors, est-ce que c'est mieux de les faire venir chez soi parce qu'on est dans des pays riches et qu'on a plein d'argent, ou est-ce qu'on aide les enfants qui sont dans les pays d'origine, est-ce qu'on les aide à vivre là où ils sont le mieux possible? Moi, je crois que, et pourtant, je travaille dans l'adoption, je reçois des parents, des enfants, et je ne veux pas répéter, je dis que c'est quelque chose de très beau en soi, c'est une très belle aventure, mais que si c'est pour aider un enfant dans le besoin, eh bien, il y a d'autres façons de le faire. Mais moi, je suis sûr que c'est utopique, mais bien sûr que si, parce que c'est une personne qui peut changer la face du monde. On arrivera à ce résultat si tout le monde s'y met. C'est bien pour l'État ça, et les gens. Moi, c'est bien pour ça que je suis d'accord avec vous. C'est pas une personne qui pourra changer la face du monde. Et ce n'est pas parce qu'un enfant est adopté au Malawi que tous les enfants du Malawi vivront bien. Il y aura un enfant, ce qui est très très bien. En même temps, les autres enfants du Malawi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Qui va les aider? Quelle star va aller donner de l'argent, 5 millions de dollars, pour aider les enfants du Malawi? Bah, si elle veut, elle avait qu'à le faire elle avant. Elle a donné. Je pense qu'il faut chercher du côté. Pas forcément contre un enfant. On peut aussi aider les pays en donnant de l'argent. Et les ONG le font. C'est intéressant, il y a un vrai crime. Mais absolument. Qu'on foute la paix à Madonna qui va donner de l'amour à un enfant. Qu'on lui foute la paix à cette femme. Elle va là-bas, elle achète un chèque de 5 millions de dollars pour un orphelinat. Et on trouve encore les moyens de lui casser les couilles. Non, mais moi, Madonna, ça m'est égal. Non, excusez-moi, mais franchement. Non, mais Madonna, moi, ça m'est égal. Je veux dire, la question, elle est pas là. Côté du gouvernement du Malawi, parce que ça lui fait une superbe pub, et je suis sûr qu'ils ont tout arrangé avec Madonna pour ça. J'ai fait un petit calcul sur ce que tu disais, tu dis que le revenu moyen au Malawi est de 120 dollars par an, et donc pour se payer les jouets qu'il a reçus à l'arrivée à le truc, les 31 000 dollars, il aurait dû travailler déjà 250 ans pour se payer autant de jouets. Isabelle Alonso. Oui, ce que je veux dire, je ne doute pas un seul instant de la bonne volonté de Madonna et qu'elle a essayé de faire quelque chose de bien, mais en même temps, cette histoire fait froid dans le dos, justement à cause de ce que vous dites. Il y a, les pays occidentaux aujourd'hui sont de plus en plus riches, de plus en plus vieux et de plus en plus en mal d'enfants. D'un autre côté, les pays pauvres sont de plus en plus pauvres. Et ça, c'est un système. Les pays africains sont plus pauvres aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Résultat, il y a un immense vivier d'enfants théoriquement adoptables et qui sont finalement mis à la disposition des pays les plus riches. C'est vrai que avec 5 millions de dollars, on peut ouvrir un orphelinat, peut-être, et ça sera plus utile. Vous vous souvenez de ce qu'on disait à l'époque, quand on parlait de la faim dans le monde? Donne un poisson à un homme, il mange un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours. Adopte un enfant, tu résous le cas d'un enfant sur des millions d'enfants. Essaye de faire en sorte que les pays pauvres aient une chance de se développer et on sauvera des millions d'enfants, c'est quand même mieux. C'est Mme Simone Veil qui a signé la préface de votre livre, L'adoption d'enfants de cultures étrangères, c'est aux éditions Pascal. On vous remercie, docteur Fanny Cohen-Réal. Merci à vous. Merci à vous. Après les morsures de l'aube et Monsieur N, Antoine Decaune confirme ses talents de réalisateur avec Désaccord parfait, une comédie sentimentale qui réunit à l'écran deux monstres sacrés du cinéma français, Jean Rochefort et Charlotte Rampling. L'histoire de ce film, c'est celle d'un célèbre cinéaste français, donc joué par Rochefort, et de son actrice fétiche, Charlotte Rampling, qui 30 ans après avoir formé ce couple le plus flamboyant des années 70, se retrouve à l'occasion des bâtards. Alors, il faut expliquer que c'est l'équivalent en Angleterre des Césars chez nous. Désaccord parfait sera dans les salles mercredi prochain et pour en parler ensemble, accueillons donc tout de suite le réalisateur du film, Antoine Decaune. Je ne vous présente pas Annie Lemoine. Ça doit faire drôle de revoir comme ça de temps en temps. Drôle, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais... Curieux, alors je ne sais pas. Émouvant. Je suis aussi ému parce que c'est la première fois que je descends le grand escalier du Moulin Rouge. Ah oui, vous voyez, sans plume en plus. Ouais, sans plume, non, j'ai les plumes, mais je suis assis dessus. Désaccord parfait, un film qui réunit, alors ce serait deux stars, Rochefort et Charlotte Rampling. À qui vous avez pensé quand vous avez pensé à ce couple d'un grand cinéaste français et de sa comédienne fétiche, qui se retrouve 30 ans après? À l'origine, j'ai pensé au couple Birkin-Gainsbourg. Ah, voilà.
un couple emblématique des années 70 qui a vraiment marqué l'époque, quoi. Alors eux, c'était à travers la chanson, aussi quand même un film ou deux, Gainsbourg Birkin. Et je suis parti de ça en me disant, qu'est-ce qui se passerait si... Ben voilà, cette grande histoire d'amour passionnel, ces films autour. Si tout ça s'arrêtait brutalement, si elle, anglaise, rentrait chez elle le cœur brisé, que lui continue sa carrière de cinéaste en France et que la vie les réunisse accidentellement 30 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passerait ? Résultat, le film sort mercredi. Regardez la bande-annonce. Alice ? Mais bien sûr, c'est un plaisir de la revoir. On me dit qu'elle est devenue une immense vedette en Angleterre. Pendant 30 ans, j'ai réussi à l'éviter et je m'en porte très bien. Il paraît que c'est elle qui doit vous remettre le prix d'honneur à la cérémonie de samedi soir. Quoi, Alice d'Abanville ? Vraiment ? Alice, t'es superbe. Tu n'as pratiquement pas changé. J'aimerais pouvoir te retourner le compliment. Oh, la trompe ! Je ne voulais surtout pas que tu t'imagines que je fais ça en souvenir de notre petite romance. Si j'avais pas été là, il n'y aurait pas d'Alice d'Abanville. Et c'est ça qui l'énerve ! Alice, est-ce que tu aurais l'obligeance de bien vouloir me passer le sel, s'il te plaît ? Bah, tu vois, on aura au moins échappé à ça. 30 ans de passe-moi le sel. Boum ! Quand notre cœur fait beau, tout avec lui est beau, mais c'est l'amour. Oui, je veux que tu me dises la raison pour laquelle tu es parti. On s'en fout, on est vieux maintenant. Parle pour toi. Chant de love in bloom, au rythme de ce boom qui redit boom à l'oreille. Désaccord parfait, ça sort mercredi. Bah, le couple mythique, il est aussi celui qui joue, effectivement, dans le film, Rochefort et Charles Trampling. Enfin, il ne s'est rien passé entre eux, je ne crois pas, dans la vraie vie, mais en tout cas... À ma connaissance. À votre connaissance non plus, mais là, vous avez de la chance. Et vous dites, sans eux, je n'aurais pas fait le film. Alors, est-ce que c'est une formule de promotion ou est-ce que c'est vraiment vrai? Non, ce n'est pas une formule de promotion, c'est que j'avais envie d'écrire ce film, j'avais envie de faire une comédie sentimentale, j'avais envie de raconter une histoire d'amour, j'avais envie d'avoir ce ton... de comédie où on sourit, on s'amuse parfois, mais surtout on s'attache au personnage. C'est ça la comédie sentimentale. Et j'avais envie d'écrire pour eux parce que c'est parti de Jean au départ. J'ai joué avec Jean dans un film de Bernie Bonvoisin, dans Blanche. Et à son contact, j'ai immédiatement eu envie d'écrire pour lui. Et puis après, je lui cherchais une partenaire, une anglaise, donc évidemment Rampling. Et voilà. Et ça ne pouvait exister qu'avec eux. Et l'Angleterre, évidemment, un pays qui vous est cher aussi. Absolument. Oui. Isabelle, alors. Eh bien oui, c'est une comédie sentimentale. Comme moi, personnellement, je les adore. C'est mon style de cinéma préféré. Et vous avez dit dans une interview que vous aimez traiter avec gravité les questions légères et avec légèreté les questions graves. Et c'est un petit peu ça qu'on voit dans ce film. C'est moins léger qu'il n'y paraît, mais ça pétille tout du long. Et voilà, les personnages. Alors, on est ça évolue dans des milieux où on roule en Rolls, où les personnages ont des vestes d'intérieur avec le revers en soie. Vous voyez le genre, quoi. Et Charlotte Rampling est absolument magnifique. Le seul petit bémol que j'ai, c'est sur... vous avez dit que vous avez fait participer Jean Rochefort à l'écriture. Alors, il cabotine un petit peu, et ce n'était pas la peine. Il cabotine trop, parce qu'il y a déjà un chien péteur très drôle dans le film. Et alors, j'ai une mention spéciale pour la scène du lit. Parce que ce qui est absolument exceptionnel... Il ne faut pas tout raconter. C'est que c'est une histoire d'amour... qu'on peut vivre à tous les âges, mais justement, eux, ce sont des sexagénaires. Et là, on est dans les légèretés et la gravité en même temps. C'est absolument, mais désopilant, c'est irrésistible. Et voilà. Je n'en dis réponse pas plus. Réponse Ils n'ont pas participé directement à l'écriture. C'était écrit pour eux, donc, au milieu du travail, je leur ai fait lire la troisième, quatrième mouture. Et j'ai écouté ce qu'ils avaient à me dire. Mais après, les dialogues, tout ça, enfin, ils ne sont pas intervenus là-dessus. Mais je ne parle pas de cabotinage avec Jean. Jean est un acteur absolument unique qui a une approche très poétique du métier, de sa manière de jouer. Et autant je vois parfois des acteurs qui chargent un peu la mule et qui forcissent le trait, autant lui, il y a... Par exemple, la scène du jardin, bon, les gens n'ont pas encore vu le film, mais à un moment, il dit « tu as eu raison de faire ce choix », et alors ça part comme ça dans une espèce de gestuelle. Et on se rend compte, quand on se retrouve après à la table de montage, que tout ça a une cohérence. Que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas des dérapages, donc ce n'est pas du cabotinage. Cabotinage, non, c'est... Pas là. Non, il y a une seule scène, quand il fait le singe, j'ai trouvé que ça faisait une bête de trop dans le film. Oui, mais non, parce qu'elle a son sens à ce moment-là. On est d'accord. Annie Lemoine, est-ce que ça vous tente? Vous allez aller voir... Mais oui, parce que moi, je le suis depuis que je l'ai perdu, en fait. Je le regarde toujours au travers de ce qu'il fait. Je te suis depuis que je t'ai perdu. Ben oui. Ta réputation, et je le vérifie encore aujourd'hui, c'était de ne jamais vieillir. Tu es l'homme qui ne vieillit pas. Et effectivement, tu ne fais pas du tout ton âge. Ouais, Philippe m'a dit que vous aviez le même âge à 6 mois après, j'étais estomaquée. Moi aussi. Moi aussi.
précise. Mais moi, la différence entre nous, c'est que moi, je fais vieux depuis que je suis jeune. Non, Philippe, c'est pas contre toi, mais c'est pour lui, parce qu'il fait jeune homme tout le temps. Enfin, voilà. Après, je voudrais rassurer Philippe en lui disant que j'utilise quand même un complément capillaire. Non. Moi, je vous ai vu ce week-end en Normandie, parce que je feuilletais la presse normande, et j'ai vu que vous étiez en train de faire une action de solidarité pour le marché aux poissons, c'est ça? Oui, là, le poisson de Trouville qui a brûlé, c'est un désastre local. Et vous avez vendu aux enchères des objets de cinéma de vos copains. Voilà, on a demandé à plein de copains du... Les Michel, Marianne Chazelle? Les faux. Ah bah oui. Les faux. Pas les vrais. Non, les vrais, on les a gardés. Et alors, ce qui est très, très drôle, c'est que là... Comme ça a marché tout, oui, ça a marché. On a ramassé 30 000 euros, quand même. Donc, ils sont plutôt contents. Ah, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y avait donc les faux seins de Marianne Chazelle dans les Bronzés 3. Et les gens discutaient de la vente aux enchères dans Trouville, dans les bars. Et j'ai un copain qui m'a dit qu'il y a un type au comptoir d'un bistrot qui a dit il paraît que demain, ils vont vendre les seins à Claire Chazal. Oui, évidemment. Annie, pour continuer. Oui, pour conclure, juste, j'ai l'admiration pour toi parce que tu t'es rapproché de ton désir. Tu voulais faire du cinéma, tu voulais être acteur, tu le fais. Et ça, je trouve ça merveilleux, c'est ton parcours d'être humain. Donc, bravo, Antoine. Puis bonne chance, quoi. Merci. De Luc. Alors, moi, je vais aller voir ce film parce que, autant j'étais fan d'Antoine à Nulle part ailleurs et à tout ce qu'on aimait, cette espèce de fou déjanté de la télévision, mais j'ai une admiration sans doute encore plus grande pour le réalisateur. Et je sais qu'il a vécu comme une blessure économique. Comment en serait-il autrement? La non-rencontre avec le grand public pour ces films. Mais je trouve que Les Morsures de l'Aube et Monsieur N étaient deux films formidables. Je trouve que c'est un grand réalisateur. Je trouve qu'il y a une personnalité dans ces films que j'aime. Et donc, je vais aller voir le suivant. Valérie Mérès, vous connaissez Antoine Decaune, évidemment. Bah oui, je le connais. Mais la bande-annonce, rien que la bande-annonce, elle donne envie d'aller voir le film comme c'est pas permis. Quoi. C'est, j'ai envie d'y courir. Les deux acteurs sont merveilleux. L'idée du couple qui s'aimait avant, qui s'aime plus, mais que, à mon avis, ça va bien finir. Raconte pas. J'ai pas vu. Je peux pas... Enfin, moi, ça me tente vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais. Maman. Laurent parlait tout à l'heure de la vente aux enchères que vous avez fait le week-end dernier pour en venir en aide aux poissonniers des Halles de Trouville. Alors, j'ai vu que vous vendiez la nuisette de Monica Bellucci. Oui, elle est partie assez haut. Elle est partie très vite. Oui. Le casque de Jamel Debbouze qu'il portait dans Indigène. Oui. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait le maillot du joueur du PSG, Jérôme Rothen. Oui. Qui est le malheureux qui l'a acheté. Je vais en revenir au film. Quand vous avez eu le scénario entre les mains, est-ce que ça a été facile de convaincre Jean Rochefort et Charlotte Rampling de jouer ces rôles? Ou ça a été plutôt facile, en fin de compte? Non, c'était facile parce que la question que je leur ai posée avant même de commencer à écrire, c'était est-ce qu'ils avaient envie qu'on travaille ensemble et est-ce qu'ils avaient envie de jouer tous les deux? Et dans un registre de comédie, qui n'est pas le registre dans lequel on connaît bien Charlotte. Et donc, moi, ça m'amusait beaucoup Enfin, j'avais vraiment envie et besoin de les avoir ensemble. Donc, ils m'avaient dit oui au départ. Et sur Solidays, vous êtes toujours président d'honneur de l'association Solidarité SIDA. On s'en est où aujourd'hui, quelques mots? S'en est où? Ben, on vient de faire la dernière tournée du Zapping. Qui a duré pendant 5 ans. On travaille sur le prochain festival Solidaise au mois de juillet prochain, qui est devenu une espèce d'institution maintenant, un carrefour à la fois pour les gens qui se battent contre le sida, puisqu'on invite tous les ans une centaine d'associations partout, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, à venir échanger. Et puis on récolte des sous qu'on redistribue aux associations qui viennent en aide aux malades. Un mot sur une scène du film, c'est la scène du salon de thé. Ouais. Pas de cravate, pas de salon de thé. Racontez ça, parce que vous dites que c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie qui représente l'humour british parfaitement. Absolument, qui est arrivée à un ami à moi. C'est un salon de thé à Londres, comme il y en a, qui se la joue encore un peu à l'ancienne, un peu chic, mais juste un poil... Voilà, juste les murs sont un peu abîmés, la peinture, les rideaux sont défraîchis, etc. Mais... il faut sauver les apparences, c'est l'Angleterre. Et donc, un ami à moi, un jour, va dans ce salon de thé, il arrive, comme je suis là, le type l'arrête, le maître d'hôtel, il lui dit « Sir, terribly sorry, but no tie, no tea. Pas de cravate, pas de thé. » Donc, il va s'acheter une cravate la plus pourrie, évidemment, qu'il peut trouver, juste pour emmerder le maître d'hôtel. Il revient, il s'installe, il prend son thé, la copine avec qui il avait rendez-vous arrive, ils boivent le thé tranquillement, et puis, il voit un truc qui court le long du mur. Il regarde d'un peu plus près, et il se rend compte que c'est un rat. Il appelle le maître d'hôtel et il lui dit « Dites-moi, vous êtes gentil de m'emmerder parce que j'ai pas de cravate, mais vous savez ce qu'il y a dans votre salon de thé pourri ?» Le maître d'hôtel anglais, imperturbable, lui dit « Non, monsieur, je ne sais pas ce qu'il y a dans mon salon de thé pourri. » Et lui dit « Il y a des rats. Je viens de voir un rat. »
Et le maître d'hôtel lui dit, ah, really? I hope he had a tie. Ça veut dire, j'espère qu'il portait une cravate. Désaccord parfait, ça sort mercredi prochain. C'est le nouveau film signé Antoine de Caunes avec, entre autres, Jean Rochefort et Charles Trampling. On peut citer quelques autres comédiens. On a aperçu Isabelle Nanty, bien sûr, dans la bande-annonce. Oui. James Thierry. En tout cas, Désaccord parfait sort mercredi. Il y a quelqu'un qui va venir sur ce plateau qui est un véritable kamikaze. Parce que faire un portrait de quelqu'un qui a fait ça pendant des années, c'est très, très compliqué. Mais tant pis, il va s'y risquer. Voici Frédéric Martin. Il a trouvé un angle, Frédéric Martin. Il a déjà fait ça avec un invité il y a peu de temps. C'est expliquer aux enfants qui nous regardent qui est Antoine de Caunes, parce que c'est vrai que vous avez un peu disparu du paysage télévisuel et les plus petits ne savent pas qui vous êtes. Ah, c'est le but. Tout à fait. Bonjour. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter la merveilleuse histoire d'Antoine de Caunes. Le papa d'Antoine était grand reporter, comme Dora l'exploratrice. Quant à sa maman, elle était speakerine. Une speakerine, c'est quelqu'un qui speak toute la journée. Ce qui explique la passion d'Antoine pour le cyclisme. À la télé, il présentera Rapido, mais surtout Nulle part ailleurs, avec Philippe Gildas, un tout petit bonhomme avec les oreilles de Monsieur Patate et les cheveux de Catherine Lara. Tu ne connais pas Catherine Lara ? Tu as de la chance. Là-bas, Antoine se déguisera tous les jours. Il jouait le zozo. Tour à tour, il était Ouin-Ouin le scout. Et son surnom, c'était Pine d'huître. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une huître? Eh bien, je vais plutôt t'expliquer ce que c'est qu'un scout. Puis tour à tour, il est Gérard Langue de pute. Un monsieur qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. D'ailleurs... Antoine, dans le chef-d'œuvre cinématographique Les deux papas et la maman, ah, ça y est. Avec Smain, je vous ai trouvé admirable. Et Paul Vermus vous salue. Et tour à tour, il est Didier Lambrouille, un fan de Dick Rivers. Tu ne le connais pas ? Dick Rivers, c'est comme Davy Crockett. Ils ont tous les deux un animal mort sur la tête. Avant de partir, je vais vous expliquer comment Antoine faisait pour parler aussi vite dans Rapido. Rapido était une émission de télé révolutionnaire et avant-gardiste qui consistait à dire le maximum de choses en un minimum de temps. À l'époque, tout le monde se demandait comment Antoine faisait pour parler aussi vite. En fait, il avait trouvé un truc super simple. Il avalait 10 litres d'eau d'une traite, mangeait 2 boîtes de diurétique et il commençait l'enregistrement. Ce qui donnait à l'image un petit peu saccadé, un début impressionnant, un petit peu comme moi maintenant d'ailleurs. Il faut que j'y aille. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Frédéric Martin, c'est pas facile, hein? Ouais, c'est tellement vous-même. Désaccord parfait, ça sort mercredi 8 novembre, la semaine prochaine. Hein. Charlotte Rampling, Jean Rochefort et quelques autres, un couple mythique qui joue un couple mythique. On se retrouve avec le qui a vu qui a vu quoi. On regarde très vite la première photo, le classement ce sera pour demain. Regardez qui est à côté de ce chien, ça vaut 1000 points. À côté de ce chien, coureur automobile. Bravo. Le... Sébastien Loeb, c'est Maman qui l'a dit en premier. Bravo. Aidé par Antoine de Caunes. 1000 points pour Maman. Désolé, il fallait pas dire le prénom. Cette photo va sûrement vous dire quelque chose. Oui. Oui. Dorothée. Je sais qui c'est. Allez-y. C'est combien de points? 2000. Ah, Tina Aumont. Oui. C'est hommage. Elle vient de mourir à Paris à 60 ans. C'est la fille de Jean-Pierre Aumont. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Comment s'appelle ce monsieur? Dubac. Stéphane Dubac. Son vrai nom? Dulac ou Dubac. Je l'ai vu dans... Je vous accorde la réponse. 500 points, Stéphane Dubac. Dubac, pardon. Bravo, Antoine Ducaud. Ouais. Je l'ai vu dans un film de Chabrol. Et c'est lui qui joue le juge Bertrand dans l'affaire Villemain, voilà, personnage inspiré du juge Lambert, quoi. C'est extraordinaire comme il lui ressemble. Et oui, évidemment, je pensais que vous alliez me répondre le juge Lambert, bah, il fallait répondre comme Antoine de Caunes l'a fait, Stéphane Dubac, Dubac, c'était tout à fait excellent, valable. Excellent. 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 Disons-le, excellent. 500 points, vous distribuez à qui, alors? À la ronde. Ah non, il faut choisir. Il faut choisir. Valérie. Ouais, quand même. Valérie Mérès, 500 points offerts par Antoine de Caunes. Allez, 1000 points pour ce monsieur. De qui s'agit-il?
C'est un homme politique étranger, non? C'est un étranger, homme politique, homme indirectement. D'affaires. Homme d'affaires, oui. Homme d'affaires. Ah, c'est le banquier allemand qui prête aux pauvres, le dernier prix Nobel. Il est allemand? Allemand, oui. Bertelsmann? Non. Un capiculteur? Kirsch? Non. Schlieffendorf? Non. Schubendorf? Non. Le plus connu, un des plus connus. Rutschenschaff? Benz? Non. Comment? Benz? Benz? Non. Le neveu d'Hitler? J'ai cru que c'était la bonne réponse. Le père d'Eva Braun? Non. Le mari d'Angela? Hans. Vous avez dit que ça ressemble à Hans. Benz? Benz. Mercedes Benz. Écoutez, ça vaut 10 000 points. Ah oui, parce que là, vraiment, ça vaut le coup. 10 000 points, je vais vous aider, je vais vous mettre sur une piste. Vous feuilletez souvent des magazines. Excellente réponse, Isabelle Alonso. Axel Gans. En allemand, ça se dit Gans. En allemand, ça se dit Gans. Et son petit nom, c'est Glischendorf, comme je l'avais dit. Mais Axel Gans, c'est le groupe Prisma Voici, c'est exactement ça. On peut revoir mieux son visage. Voilà, comme ça, si on le croise dans la rue, on saura. Très bien. Regardez cette dernière photo, ça vaut bien 1000 points. Oh oui. Oh, qu'est-ce qu'il a, ce c'est un Anglais. Alors, est-ce que c'est un Anglais que je vérifie? Non. C'est un acteur. Non. Russe. Stéphane de Bach. Non. Il n'est pas lui à chaque fois. C'est un acteur qui vient de faire son coming out. Non. Ah, en quelques... Non. C'est le jour de son mariage. Oui. Mais oui. Ah. Bravo. Bah oui. Bah allez, 2000 points. Il joue pas dans une série? Non, 3000 points. Donc, il a épousé quelqu'un? 4000 points. Quelqu'un de connu. Quelqu'un il fait des rallyes. Ivana Trump? Non. Il a un chien? Non. Faut trouver son nom à lui ou le nom de sa mariée? Le nom de sa femme, oui. Eh oui, sa femme est connue. Elle est connue? Oui, très. Là, là. Très connue. 18 points. C'est pas un frère Baldwin? Pardon? C'est pas un frère Baldwin? Un frère Baldwin? Non. C'est un Américain, Laurent? Un enfant adopté par Madonna. Kate Moss. C'est un Américain, Laurent? Non. Naomi Campbell. Un Européen? Oui. Français? Oui. Elle est européenne? Elle est européenne, elle? Oui. 18 points. Elle est française? Elle est française? Non. Non, c'est pas Mireille Mathieu. Allez, 20 000 points. Ça le mérite. C'est en Angleterre. C'est pas en France, donc. Si vous trouvez le pays, je pense que vous trouverez la dame. Espagne. Non. Italie. Luxembourg. Belgique. Non. Italie. L'Italie. C'est le mari de la Tchotcholina, non? Non, pas la Tchotcholina. Tchotcholina. Mais c'est pas loin. Le mari de celle qui est maintenant la nouvelle Tchotcholina. De la fille de Mussolini. Non. Non, c'est mieux que tout ça, quand même. Mais sauf que le nom ressemblait à elle. C'est un nom italien, quoi, voilà. Elle vient de se marier avec ce jeune homme. Eva Lollobrigida. Non. Donatella Versace. Gina Lollobrigida. 79 ans. Oh non, c'est ce que je m'imagine. Gina Lollobrigida. C'est la première fois que ça arrive qu'un invité. Pense à 20 000 points qui vous les offrez. J'ai quand même dit le nom. Ah non, vous avez dit Eva. Eva, j'ai dit Lolo Brigida, c'est quand même ça qui est plus dur. Non, mais moi j'ai brodé le nom. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Mais ça fait 22 ans qu'ils sont ensemble en plus. Quand même. Franchement. Alors, elle l'avait adopté quand il était bébé. Non, c'est parce que lui, il n'a pas l'air, mais il a 102 ans, là. Non, il a 40 et quelques années. Vous voulez l'âge exact? Alors, j'ai combien de points? 20 000 points. Qu'est-ce que j'en fais? Il faut les donner à quelqu'un. Une seule personne. Non, c'est un type qui est... qui est né pas tellement longtemps après toi. Il a 45 ans, le garçon. Elle en a 79. Il m'a donné 500 tout à l'heure. Non, je les offre à Annie. Annie Lemoine, et voilà. Je peux t'embrasser? 20 000 points. D'ailleurs, dans 30 ans, ils se retrouveront comme dans le film. En fait, cette histoire, maintenant, on peut vous le dire, c'est l'histoire d'Antoine Decaune et Annie Lemoine qui se sont séparés. Leurs chemins professionnels se sont séparés. Dans 30 ans, peut-être, à l'occasion d'une cérémonie, César ou 7 d'or, allez savoir, ils se retrouveront. C'est un peu le message qu'Antoine Decaune a voulu envoyer à Annie Lemoine à travers ce film joué par Charlotte Rampling et Jean Rochefort. Désaccord parfait, c'est une comédie très réussie. Tous ces points, ça donne quoi? Des tickets repas? Non. C'est ceux qui sont terminés dernier la saison passée. Sont virés? Ils sont pas virés. Oui, ils reviennent pas. On a donné des points à Valérie et à Annie et finalement le film, il est pas si bien que ça. C'est pas vrai. Vous avez dit que c'était très bien.
Des accords parfaits, ça sort mercredi. Merci Antoine de Caunes. Bye bye.